J'ai dit à ma tante que j'aimais bien l'univers des mangas. Oh, c'est globalement par là, quoi. Ah, j'ai vu que tu adorais Attack on Titan. Bon, bah voilà. Une petite statuette. Tu aimes ? C'est un personnage de manga, je crois. Oui, on va réagir comme depuis plusieurs années à vos cadeaux de Noël nuls. De quoi ? Oh non, non. Non, mais personne n'a rien entendu. En arrête, fait, depuis que tu m'as fait une réflexion il y a un mois et demi, je me suis dit je vais la ligner à chaque fois. C'est pas possible, c'est... si tu le ralentis et que tu isoles la piste, tu n'entends rien. Tu n'entends rien, il y a rien. On va réagir à vos cadeaux de Noël nuls. Les autres, on s'en fiche, juste les nuls. Déjà, on va se taper tous une bien belle branlette. Hop là, 1 million d'abonnés. Allez! Oh, enfin, il a fait combien de temps? Arrête. C'est comme quand on a eu 3 millions d'abonnés, qu'on a dit. Ouais, mais bon, en combien de temps? Quand on a eu 3 millions d'abonnés? Oh le lapsus. Oui, bon. Mais tu te prends pour qui? Excuse-moi. Hein, ouais, bah on devrait. Tu vois le lapsus, on devrait, voilà. On les. Les pires chocolats. Oh, c'est pas vrai. Ils sont pas dégueulasses ceux-là. C'est pas horrible, attends. C'est en pas vrai, un cadeau ça nul va. Ça. Après, je t'avoue, quand je reçois des chocolats, ah, je ronfle. On a déjà eu le débat, parle pour je toi. Crois. Mais je ronfle de ouf. Voilà, oh, parle pour toi. C'est pas que je suis mécontent, c'est que je me fais chier, c'est tout. Ici, il y a des gens qui sont très contents d'avoir du chocolat. Redonne de l'éclat à votre lune. Bah, attends, mais tout le monde rêve d'avoir le super cul comme gel douche. Aux extraits de Belle Miche. Oh. Je me demande vraiment ce que ça sent, genre les trucs comme ça. Ça sent quoi? Je pense que c'est... Ça sent le trou de balle. Vraiment genre le parfum de mec de base, t'es genre il y a toujours l'odeur du parfum de mec quoi. Je sais pas, ça sent quoi le gel douche de mec? Bah genre le Axe, tu vois, genre le truc musc. Ça sent fort, ça sent le parfum. Ouais, tu vois, ça sent fort quoi. Bah en vrai, ça c'est genre une blague, donc ça va. Bah si c'était un Secret Santa où le thème c'était une blague, ça va. C'est un cadeau blague, ça va, c'est drôle en vrai. Ça va. Après tu le jettes. Tu le mets nulle part quoi, tu le jettes, c'est ça le problème, c'est voilà. On rigole c'est drôle, et on déballage, voilà. Puis bon, c'est poubelle quoi. On rigole et on jette, mais c'était rigolo. 1 kilo blague Jean-Marie Bigard. 1 kilo de blague. 1 kilo de blague de Jean-Marie Bigard. Mais c'est énorme. C'est le meilleur produit dérivé, c'est fantastique. Il fait carrément, il pèse les blagues. T'imagines que le mec, il a fait tellement de vannes dans sa vie que ça peut faire 1 kilo de vannes. C'est énorme, 1 kilo de blague. Je pense pas que nous, en 16 ans, on a réussi à faire 1 kilo de blague. Je viens de regarder, ça coûte même... 15 euros en fait, c'est... Vous imaginez 15 euros pour... 15 balles pour le kilo. 15 balles le kilo de blague. C'est moins cher qu'une entrecôte, ça vaut c'est... le coup. C'est vraiment genre, c'est donné quoi. C'est donné. Ah oh, voilà, ça tu vois, ça doit sentir le truc de mec là. Attends, je savais pas que ça existait. Call of Duty Warzone, le gel douche et l'eau de toilette. Eau de toilette. Yeah. Pour les vrais gamers qui puent la merde. C'est même pas beau genre. Genre l'illustration, elle est pas très Warzone quoi. C'est moche. Quoi? Répète ça à un mec qui se lave avec le Call of Duty Warzone Body Wash. Après ça va dans son setup de gamer et tout, l'ambiance elle est là quoi, tu vois, ça va. Fais pas genre ça te fait moi, pas plaisir. Moi j'aimerais bien me laver avec ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une contrefaçon de Lego. Oh, oh c'est Lego. Oh, item Cruise Chip Model. C'est pas Titanic, c'est le Cruise Chip Model. Ah bah non. Ah non, alors là tétanoc. Ça n'a rien à voir. C'est le Tétanoc. T'as quoi, je pense qu'on s'est tapé une réunion de 3 quarts d'heure sur la parodie pour savoir si on avait le droit ou non de faire des trucs pour qu'il y ait le... Ils se sont pas fait chier. Cruise Chip Model. Ah mais il y a marqué Titanic. Ah ouais, bah ouais, ils se sont pas fait chier finalement. Pourquoi ne pas l'avoir marqué sur la boîte? Peut-être qu'ils ont pas le droit sur la boîte, mais qu'ils ont le droit sur le bateau. Eh, t'as vu, ils ont rajouté de la fumée en 3D. Elle est bien faite, hein. Elle est très bien faite. Un seul feu d'artifice de Jiffy comme celui-ci, alors qu'ils se vendent par 6. Ça, c'est pas sympa. Mais attends, ça se trouve, l'effet pour la chandelle. Attends, mais la vidéo. Ah, tu vérifies. C'est pas la sienne, donc. Ah, c'est pas la sienne. Non, regarde, les artifices du feu 64. Mais par contre, j'ai quand même envie de savoir ce que ça fait. Ouais, parce que. Wouah, trop stylé le cadeau. Ah, c'est fini. Attends, y a pas d'explosion. C'est tout. quand il est là où il fait. Je te jure, on m'offre ça à Noël, je l'allume dans le salon. J'ai rien à foutre. En vrai, je vise bébé. Putain, trop bien. Ouais, oh, un, c'est déjà trop bien. Nul. Un, c'est déjà ouais, bien. C'est vrai. Un tapis de souris Mario, alors que j'ai un PC portable sans souris. Et pas une grande fan de Mario non plus. C'est ça que j'aime bien. C'est genre, c'est random de ouf. Genre, y'a pas de. Ça m'a tout l'air d'être un officiel Nintendo. Hein. Oui, parce que regarde sur le côté Watermark 2021 Nintendo. Au moins, c'est pas une. Info de merde. Non, et ça va. C'est certainement pas AliExpress qui se serait permis de mettre un Watermark Nintendo. Hein. Alors là, ils auraient jamais fait ça. Après, en termes de tapis de souris, y'a des choses qui se font beaucoup mieux.
mieux, genre le tapis de souris ou encul dans le pack légendaire. Ouais, y a rien à voir, tu vois, genre il est beaucoup plus grand, il est beaucoup. Voilà, c'est plus... alors c'est juste un exemple hein, de tapis de souris genre, qui se fait mieux. Genre il est long, il a une belle illustration, il est mieux prodé que chez Nintendo, je veux dire c'est, enfin il y a rien à voir quoi. Après, Vraiment là c'était juste pour montrer un exemple quoi, mais effectivement il y a mieux hein, si on cherche un peu. C'est juste pour justifier que ouais c'est vrai que Nintendo ils sont pas foulés les gars. Ouais. Une fontaine à chocolat. Petite fontaine à chocolat Silvercrest, toi. C'est vraiment un truc de cochon, mais ça. Hein. Dans quel contexte tu utilises chez toi? Ouais, je sais pas. Une fontaine à chocolat. Je te jure, je sais pas. J'avoue, j'ai envie peut-être de mettre des marshmallows dedans, non, tu vois. Mais genre... T'as envie, dans un contexte où il y en a une qui est là, tu vois, ouais. Et toi, tu dis, oh, ok, je l'utilise. Pas chez toi. Tu vas pas faire fonctionner ta fontaine à chocolat chez toi. Moi, je trouve ça bizarre, cet appareil. J'ai jamais trop compris. De toute façon, quitte à avoir une fontaine à chocolat, autant mettre d'autres trucs dedans pour s'amuser. Ouais, fontaine à pisse, fontaine à coca, t'es pas obligé de mettre du chocolat, quoi. Il est bizarre, lui. Il l'a dit. Il est bizarre. Bah non, mais autant tester, donc. La fontaine à comme caca. Ça, tu vois. J'ai cru me mettre ce marshmallow dedans. Un tapis de 1,5 mètre pour mon futur déménagement. Bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bah, ingrat. On va l'embrouiller, non mais attends, espèce d'ingrat. Tu fais un déménagement et on prévoit déjà un tapis. Tu sais que le plus chiant quand tu déménages, c'est d'avoir du mobilier. Là, je reste un peu sur lui parce qu'il l'a mérité. Les gars, c'est pas sérieux ça. Attends. Je crois qu'ils veulent que je me casse vite de chez eux, c'est mon seul cadeau de leur part. Mais c'est un malade. Mais comment t'as offert un tapis? Moi, quand j'ai déménagé, mes parents, ils m'ont offert un congélateur et c'était trop bien. Parce que j'en avais besoin pour mon nouvel logement. Mais ouais. Quand je suis arrivé chez moi, là, j'avais pas de tapis, j'ai dû en acheter deux. 3. Un tapis ça sert à rien. Oh la vie désastreuse de personnes jeunes. Désastreux. Oh là là. Pff, ça habille une pièce, ça prend, ça donne beaucoup et puis même dans un bureau ça réchauffe les pieds, c'est agréable, ça fait beau. Depuis que j'ai mis un tapis dans mon bureau, ça résonne plus, c'est même utile. Ça étouffe le son et en plus un peu de pluie, il est joli parce qu'on sait pas mais ça se trouve s'il va le déballer, c'est un super joli ce tapis. Oh là non, revoyez vos critères. Mes cadeaux sont en quatière, mais j'ai offert à mon daron sa cocotte avec une poignée customisée dans un gros carton qu'il s'est transporté sur un Toulouse Rennes et pour mon frère une lettre du rat de Noël avec un wifi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce mais on t'a pas demandé de te raconter ta vie. Qu'est-ce on t'a demandé des cadeaux de Noël que t'as reçus qui étaient nuls. Et ça, c'est ce qu'il a offert. On t'a pas demandé de flex avec tes cadeaux. Regardez comme moi, je suis attentionné. On a rien à foutre. Voilà, ça c'est ça. Voilà, plus la merde. Cadeau de merde. Voilà. À chier, voilà, il y a des défauts d'impression, il y a rien qui va. C'est tout. Oh, comment c'est nul, c'est trop mal imprimé, on dirait que ça a été utilisé depuis au moins 2 ans. C'est à chier, c'est moche. Moi j'ai des mugs horribles hein, dans mon. Parce que souvent les gens aiment bien faire des blagues avec les mugs. Moi j'ai des petits mugs blagues que j'ose pas jeter et qui sont très moches. Ah, moi j'ai des mugs. Tu sais, que tu reçois en termes de goodies. Ouais, aussi ça, ouais. J'ai un mug Joule. Tu vois, j'ai le mug PUBG et j'ai le mug Fortnite, par exemple. Ouais, le PUBG, je l'ai aussi. Celui qui, quand tu mets de l'eau chaude, il change de couleur. PUBG? Ouais, celui qui est noir, avec marqué PUBG en doré. Attends, mec. Et bah si tu mets de l'eau bouillante dedans, non. Ça change de couleur et ça laisse apparaître le décor. Oh, je suis trop heureux, genre, oh, je vais... Mais ça fait des années que tu l'as, parce que moi je l'ai depuis des années. Je pense que ça va m'occuper toute ma journée de demain. Oh la dinguerie. Oh, il faut que j'aille essayer. T'avais jamais Mais non, mais je l'ai jamais utilisé, puisqu'elle est moche. Ouah. Et bah, tu verras, quand tu mets n'importe quel contenant chaud, ça change de couleur. Oh, c'est trop bien. Oh, je vais essayer dès ce soir. Ma mère m'a dit, attends. On t'a commandé tes cartes Wokul, mais ils ont dit ça arrive que en juin, c'est pas des rapides. Mon père a rajouté, on t'a acheté le pack Shiny. Oh, c'est exceptionnel. Ils ont dit il y avait plein de trucs dedans, alors j'ai pensé c'était ça que tu voulais. Oh, c'est trop mignon, putain. Ah, donc... c'est mignon, en plus. Eh, attends, fais voir ce qu'il y a dans le pack Shiny. Ah, pas dans le pack Shiny. Ah, le mec il se régale. En plus, ah, bah attends. Tu te rends compte? Regarde-moi ça, le pack Shiny. T'auras ton tapis de souris, mon salaud. Bien joué, ça. T'as le tapis dans le pack Shiny, hein. Non, c'est stylé. En plus de tout ce qu'il y a, franchement, beau cadeau. Hein. Petit pack Wokul Shiny, là. Ouais, il t'a régalé, les darons, là. C'est bon, ouais. Un parfum et un gel douche Naruto. Il pue en plus. Il pue. 95%. 95% d'eau urine naturelle, tu m'étonnes que ça pue. Ça pue. Oh, l'eau de toilette, elle fait peur. Mais c'est trop triste parce que je vois de la part des personnes généralement âgées de vouloir être gentilles. En offrant un truc thématique avec ce que t'es censé aimer. Et en plus, il y a un double poster. Ouais, c'est pas assez. Non, c'est triste pour ceux qui font cadeau et c'est triste pour ceux qui le reçoivent. C'est triste pour tout le monde. Tu vois, je me dis, c'est quoi ton parfum? C'est du Naruto. Oh. Oui. Il y a un problème. Ah non. J'allais skip, mais non, il y a un vrai problème. J'ai montré le pull rouge de la collection Empire, j'ai ça en cours de livraison. Il y a un problème, parce que on a volé mon logo que j'ai fait. Décontracté.
Prépi hipster. Mais c'est une blague, on a volé mon logo. Attends, laisse-moi aller sur Amazon. Attends, c'est pas vrai. Jucu, c'est pas vrai. Décontracté. Non mais il est même pas parodié, c'est exactement le même. Alors, je le trouve pas sur Amazon, mais... Quoi? Quoi? C'est Amazon qui vend. Oh, il y a tous les logos. Attends, attends, j'avais pas vu. Attends. Il y a tous les logos. Attends. Oh attends, attends, deux secondes. Je t'amène la page, on va rigoler. Mais Jeff Bezos, je vais t'attaquer en justice. Oh. Mais c'est tout. C'est tous les logos. Oh. 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 Ils sont très mal placés. En plus, ils sont énormes. Ils sont placés au niveau du bide. Ils sont tout tordus. Et... Oh là là, la sauce. Oh, le procès gagné. Oh là. Aïe 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 aïe. Oh le cadeau de Noël en retard. Oh là là là. Putain. Comment elle a trouvé ça, sa daronne? J'ai mis trop. Comment elle a fait ça? C'est un truc de ouf. C'est comment t'as trouvé ça? Parce que faut taper Harajuku, il y a même pas marqué One Kill. Si, je croyais qu'il y avait marqué en fait. Attends, quand je tape One Kill. Quoi? Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ça? Téma, la police. C'est... Pourquoi les logos ils sont... Téma, le prix. Mais quoi? 41 euros. Mais... Oh, avec des petites oreilles. Le pull. Le pull avec les oreilles. Le crop top avec les oreilles. Les petites oreilles. Mais... Bon, l'avocate qui s'occupe de Wonkul pour savoir si on a le droit de parodier ou non, là, on lui envoie la page, on lui dit, et ça alors? Et ça, ils ont le droit ou pas? Et ça, Amazon, avec la Bezos, ils ont le droit ou pas? J'ai pris une claque. Oh, j'ai pris une claque. Oh, c'est casual, là, c'est très casual, c'est très... Putain, c'est... Oh, bon, le... En plus, c'est cher pour la merde que c'est. Oh, le jogging, sa mère. Oh, y'a un ensemble, quoi, ils se sont régalés. T'sais, ils ont vraiment pris le goût, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? On va se faire un ensemble. On va se faire un petit ensemble avec les différents logos, je pense. C'est un truc de dingue, hein. Non, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté, c'est ça qui est horrible. Mais ouais. Oh, c'est catastrophique. Et allez sur wankill.fr et slash boutique, hein. Vous aurez les produits officiels, hein. Téma, tout est là. Tout est là, les gars. Ouais, vous savez, là, c'est bien placé. Regardez l'Empire, là. Bah, c'est nickel. En plus, je suis sûr qu'ils ont pas imprimé le dos, ces abrutis. Parce qu'ils ont volé le logo, ils ont essayé de le refaire. Mais il y a ni la manche... ni le dos. Non, bah bien sûr, ils ont pris le gros logo, ils l'ont remis dessus. Les avis. Ah. Ah, mais ils ont rien dit. Il y a deux fois 5 étoiles, c'est-à-dire il y a deux connards, ils l'ont reçu, ils ont dit oh, c'est magnifique. Ça veut dire que des gens l'ont acheté, ils ont pris la peine de le noter. Parce que moi, par exemple, je note jamais un truc quand j'achète sur Amazon. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a eu combien d'achats pour qu'il y en ait eu deux qui notent. Ah, un héros. Meilleure évaluation de France. Hein. Contrefaçon, attention. Attention. Mais attention. Pourquoi il a mis 2 étoiles? J'aurais essayé dit, bon, ça mérite quand même pas. J'aurais même mettre 2 étoiles. C'est quand même du beau boulot malgré tout. Parce que c'est celui-là. Parce qu'il aurait pu mettre 1 étoile, il s'est dit, bon, quand même, ça mérite pas. Ça mérite pas une étoile. La police est sympa. Ça, c'est zinzin. Mais c'est zinzin. C'est-à-dire que des gens actuellement se baladent avec des contrefaçons tranquilles, ils ne savent même pas. Ils ont un énorme logo central au ventre. Ils savent pas que c'est de la contrefaçon. Ça me fumerait de croiser quelqu'un dans la rue avec un truc comme ça et de le regarder genre... Tu sais, un gars il vient nous voir en convention avec un gros logo, il croit que c'est le truc officiel, il nous montre, hé les gars, regardez, j'ai acheté. Les gars, j'ai le meilleur t-shirt. Quand il va y avoir des contrefaçons, des cartes Wonkul, elles vont être trop moches. Ah, oh, des trucs tout claqués encore là. AliExpress, oh, bah, on ira voir plus tard, mais sachez que j'ai pas envie de voir.